Ok, rien voir. Non, je commence ce soir. Partie publique. Bah ouais. Poussière. Si vous ne voulez pas des croquettes. Ça fait un petit moment que je suis pas dessus. Après, j'ai peut-être me faire un reel mémorial après. Peut-être. Pas si juste ça fait un petit moment que je suis pas dessus non plus. Je comprends pas ceux qui ont des caméras c'est pas que ça prend tout l'écran, mais je trouve qu'ils mettent des écrans trop grands quoi. Je trouve qu'ils mettent des écrans trop grands quoi. Je trouve que leur écran de caméra c'est trop grand par rapport à. Je trouve que c'est trop grand par rapport au jeu quoi. Par rapport au jeu. Là par exemple sur ce jeu là par exemple le seul endroit où ça pourrait aller où ça dérangerait pas le jeu pour ceux qui regardent qui aimeraient le jeu par exemple ce serait bien en bas à gauche pas à droite parce que sinon on voit pas la carte au milieu à droite parce que là, apparemment ça dérangerait pas pour voir ce qu'il y a dans le jeu ça... mais bon je pense que ça serait mieux en bas à droite quoi. Parce que après ça dépend du jeu après c'est pareil. Sur Fortnite, c'est quoi ça encore? N'importe quoi. Sur Fortnite, ça dérangerait pas, mais sur, c'est pas, je sais pas. Je sais pas. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça fait bizarre quand il remet pas les pieds depuis un moment. Et pareil, quand je vais rejouer à Far Cry 5, Far Cry 5, il va falloir que je me remémore hein, parce que ça fait depuis un bon moment que un long, même très long moment que je suis pas dessus. C'est pareil, Far Cry 5, je l'ai pas fini, je l'ai pas fini. Puis il faudrait bien que j'ai fini aussi parce que c'est pareil. C'est pareil, ce jeu-là, pour le finir, à mon avis, ça va être long. Je pense que ça va être long. Je pense que ça va être long.
que ça va être très très long. En fait, mon idée de comment dire, de prendre la manette machin Elite 2, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, ça sert à rien. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. En fait, la manette Elite 1 et la manette Elite, enfin, la manette Elite 1 que j'ai là, et la manette Elite 2 qui est sortie, qui va sortir, je crois qu'elle est sortie là, il me semble, ou elle va sortir. En fait, la seule truc qui change, c'est que tu peux programmer à paramétrer ta manette, tu peux en mettre 3. C'est-à-dire que c'est la manette 1, tu peux en mettre que 1. Ça mémorise 2. C'est la manette Elite, tu pourras en mémoriser 3. Enfin, moi, je vois pas trop la différence entre 2 ou 3. Je regarde parce que la manette, contrairement aux manettes classiques, les gâchettes de derrière elles sont quand même plus résistantes que les gâchettes en plastique. Enfin, tu me diras, c'est même pas du plastique que c'est derrière les gâchettes, c'est pas en ferraille non plus, mais c'est en matière que ça tient, quoi. Ouais, c'est pas si mal PUBG en fait, tout compte fait. Bon, c'est vrai que j'y joue pas pareil, j'y joue pas énormément à PUBG, c'est pareil. PUBG, j'y joue pas des masses. Hein. PUBG, j'y joue pas des masses. De toute façon, tout ce qui est PUBG, tout ce qui est Fortnite, tout ça. Même Call of Duty, Modern Warfare, c'est enfin le Modern Warfare, c'est pareil. Hein. De toute façon, j'ai tellement plein de jeux que je pourrais que je finisse. Au moins finir parce que. J'en ai tellement plein de jeux que. Qu'à un moment donné, faut faire un choix. Hein. Faut faire. Oh là, oh putain, y'a un mec là. Faut faire un choix. Oh purée! Bah, au moins, c'est rapide. Faut faire un choix, mon ami, faut faire un choix. Parce que acheter les jeux, c'est bien beau, de télécharger, c'est bien beau, mais. Mais le problème, c'est que ça prend de la place sur le disque dur. Et. Je sais même pas s'il y a un niveau là-dessus. Ils sont un niveau là-dessus. Même pas si. Dic. Ah si, je suis niveau 1, je crois, non? Non? Niveau 1? Ah bah, c'est encore plus petit que... Tiens, la vache. C'est encore plus petit qu'avant, quoi. Putain, ils sont chiants de mettre ça... Ils sont chiants de mettre ça tout petit. Passe... Putain, la vache. Putain, il faut avoir des bons yeux pour lire ce genre de truc, hein. Putain. J'ai l'impression que les jeux, c'est de plus en plus petit, quoi. Comme si qu'ils peuvent pas faire un truc plus grand, quoi. Les yeux, je te raconte pas, t'es là, t'es devant ton écran là. En plus, moi je suis pas collé à l'écran, moi je suis à. On va dire, je suis à 1 mètre, 2 mètres de la télé quoi. Ah bon, même si j'ai une très bonne vue. Des fois, c'est à se demander si ceux qui font les jeux, ils ont pas des... qui pensent pas à ceux qui ont des lunettes. Qui porte des lunettes ou qui porte des lunettes, c'est pareil. C'est pareil pour Pôle emploi, quand j'ai fait ma formation, à la fin de la formation, on devait remplir une case, on devait remplir un formulaire. Et les cases du formulaire étaient tellement petits qu'on n'avait même pas la place pour écrire. Même pas la place. Et puis quand je dis petit, c'est petit. Hein. C'était juste fait, les cases, elles étaient juste faites pour qu'on mette un chiffre, une lettre, un chiffre, je sais pas quoi, un chiffre. Mais on n'avait même pas la place pour écrire ce qu'on voulait. C'était tellement que c'était petit. C'était vraiment écrit tout petit petit quoi. C'est écrit petit, les encadrés c'était petit, enfin c'était vraiment petit petit quoi. Enfin, c'est comme là, pareil, c'est comme là. C'est écrit tout petit, on a du mal à voir. Je suis même sûr que pour ce continent c'est pareil.
C'est dingue, hein? C'est petit, c'est tout petit. Et puis sur ce jeu-là, mais bon, apparemment, c'est un problème qui ne sont pas corrigés. Blanc sur blanc, c'est pas ça aussi. Lire un truc blanc sur blanc, c'est pas super. Hein. C'est ça, on parle. Je disais quoi moi? Oui. Je trouvais que c'était de plus en plus petit. C'est écrit de plus en plus petit. Il devrait vraiment penser à ceux qui portent des lunettes, quoi. Parce que franchement. Et même pour ceux qui ont des lunettes, hein. C'est tellement écrit petit que sont obligés de se rapprocher de la télé, quoi. T'en as le pire quand tu les vois qui mettent leur caméra. Ils sont prêts, mais ils sont tout près de l'écran, quoi. C'est hallucinant, hein. Ils sont tout près de l'écran. J'en ai déjà vu quelques-uns sur Mixer, être tout près de leur caméra, tout près de leur écran. Et bon, les mecs. Bon, enfin bref, peu importe. Peu importe. Peu importe. Bon, c'est quoi ça? Là, à mon avis, je vais pas faire comme j'ai fait tout à l'heure sur. Je vais pas faire comme j'ai fait tout à l'heure sur Fortnite. Hein. Ah, c'est sûr, je vais pas en tuer 4 d'un coup. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain même. Je vais pas en tuer 4 d'un coup. Là. Déjà, à mon avis, en tuer un, déjà, ça va être dur. En tuer 4. Alors, c'est où j'ai le cercle là-dessus? Il est là et moi je suis. Ok. Ça tu vois c'est le genre de truc qui m'agace. C'est que le cercle. Il est où le cercle? Il est là. C'est que le cercle, on ne sait même pas où il faut. Enfin, blanc sur blanc, on n'y voit rien, quoi. Vert c'est mieux, mais à blanc. C'est comme si quand je jouais à un jeu que c'était que l'action ça se déroulait en plein hiver et que les textes étaient écrits en blanc. Ils peuvent pas le mettre en noir parce que déjà noir sur blanc ça irait déjà mieux. On y verrait mieux. Parce que là blanc sur blanc pas évident de voir. Hein. Là, parce que si tu fais ça tu vois. Voilà. Rien que tirer avec l'arme en blanc, c'est pas évident, quoi. Tiens, et puis pour la caméra, pour l'histoire de la caméra là, que j'étais en train de dire, bah, l'histoire de la caméra, comment dire, un rafale. Bah, pour l'histoire de la caméra, si tu le mets là où c'est marqué tout ça, bah, tu vois pas. Enfin, toi, tu vois, mais ceux qui te regardent, ils voient pas. Donc ça, sur ce PBG, faut vraiment mettre la caméra en bas à droite, quoi. Non, enfin, à gauche. Parce qu'à droite, ils verront pas la carte, ils verront pas ce qui est écrit là, enfin, bref. C'est pour ça que la caméra, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. C'est plus un inconvénient qu'un avantage. Parce que
Ceux qui te regardent, ils voyaient pas ton jeu, ils voyaient pas ce qui est écrit, ce qui est marqué. C'est plutôt chaotique. C'est plutôt chaotique. Et ça, PUBG, j'aimerais bien qu'ils le mettent sur la Switch. Pour voir si sur la Switch, j'arriverais mieux à y jouer que sur la Xbox. Pour ça, j'aimerais bien. Mais bon. Je vais rendre la chair, c'est pas bon non plus. Pareil, Sea of Thieves, Sea of Thieves, enfin non, si, Sea of Thieves, non, c'est pas Sea of Thieves. Pas un jeu de pirate là, Sea of, je sais pas quoi. Non, c'est pas Sea of, c'est Sea. Si, c'est Sea of Thieves, je crois. C'est pareil, ça, Sea of Thieves, c'est un jeu, comme je l'ai dit quand le jeu est sorti, j'avais dit à l'époque que le jeu il ferait comme Titanic, ben. Le jeu il a sombré, hein. Il a sombré. De toute façon, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit. Un jeu de bateau sur la Xbox. Sur les pirates. C'est pas. Je l'avais dit qu'ils sombreraient comme Titanic, je l'avais dit. Je me suis pas trompé, hein. Je me suis pas trompé. Bah parce que il suffit de voir les jeux qui sont diffusés en ce moment sur mix sur la Twitch. Hein. Sea of Thieves, Inconnu au bataillon. Il est inconnu au bataillon. Ah, tu tires. Attends, je sais pas. Il est inconnu au bataillon. C'est pareil, ça je l'avais dit. Je l'avais dit. Mais quand je l'ai dit, on m'a dit ouais, n'importe quoi. C'est quand même Microsoft qui le. C'est quand même un jeu Microsoft, etc. etc. Ouais. Quand tu vois que les jeux qui sont sur la Xbox, combien de temps il reste? Il reste dans les mémoires. Ça reste pas beaucoup de temps dans les mémoires. Moi, je vois les jeux là que j'ai acheté là, les 4 que j'ai acheté là. Ghost Recon, Grid, enfin, tous les jeux que j'ai acheté. Ils ont pas duré longtemps. En termes de diffusion, du moins, ils ont pas duré longtemps. C'est pareil ça, je l'avais dit aussi. Hein. Grid, c'est mais. Oula! Tu vas. Putain, salopard! Salopard! Grid, c'est pareil, j'avais dit qu'il ferait pas long feu, mais. Ah. Need for Speed Heat, c'est pareil. Ça soit sur Twitch ou Mixer. Ouais. Là, va y avoir le jeu avec Keanu Reeves, il va sortir en mars, c'est avril 2020, donc l'année prochaine. Y a de fortes chances pour que le jeu, on le voit jamais en diffusion. Waouh! Attends, c'est marqué combien? C'est marqué combien? 110, 10 000. 10 000 pour monter, pour être niveau 2. Ah bah, je suis mal barré, hein. J'ai mal barré, hein. 110 de. Ouais, bah putain, 10 000! Ah, bah on n'est pas couché, hein. Eh bah, je peux vous dire, on n'est pas couché, hein. Déjà que sur la saison 4, j'étais même pas niveau 2. Je crois que j'étais niveau 1. Ah putain. À mon avis, pour que je sois niveau 2, bah, il va falloir que je couche dessus, quoi. Mais ça, il est hors de question. Ça, c'est clair, hors de question. Hors de question. Hors de question. Ouais. PUBG Global Championship. Du 23 au 24 novembre. Ouais. Bien sûr. Si on faisait de moi, pas de problème.
s'ils ont besoin de moi dans leur s'ils ont besoin de moi dans leur PUBG, je sais pas quoi. S'ils ont besoin de moi dans leur PUBG Championship, pas de problème. Je suis leur homme. Je suis leur homme. Le mec, il tient plus vite que son, moi. Ah putain. Allez, moi je suis le mec qui tire plus vite que son ombre et qui meurt plus vite que son ombre. Qui fait les deux en même temps. Ah putain. Ah la vache. incroyable. Incroyable. Ah putain. C'est comme hier à Ghost Recon, quand j'ai commencé à y jouer un petit peu hier à Ghost Recon, comme j'ai dit à Captain Albator, j'ai dit c'est bien ce jeu parce que au moins comme ça quand je tire, j'ai pas besoin de m'emmerder à viser les mecs puisque c'est une vision automatique. Donc c'est bien, c'est ce qui est bien avec Ghost Recon, c'est que je suis pas obligé de m'emmerder à bien viser les mecs. Si j'ai pu s'agacher du tir, hop, hop, le mec est devant, je tire, porte terminée. Puis comme j'ai mis en facile, donc en facile les mecs ils le voyaient pas, et même si t'es devant eux ils voyaient pas, ils voyaient rien. Ça c'est nickel pour moi, ça c'est nickel, ça c'est franchement c'est nickel. Visée automatique, pas quasiment automatique. Parce qu'il faut quand même pas non plus appuyer sur Alt et puis tirer, hein, pas non plus. Faut quand même que tu vises un minimum un petit peu quoi. Mais. Ah mais moi quand c'est comme ça, moi ça me. Ah mais moi ça me va, je suis aux anges. Hein. Ouais. Normalement sur Fortnite et PUBG, dans les options, normalement. T'es censé avoir ça normalement dans les options. Normalement tu mets ça dans les options et quand tu vises t'as pas besoin de trop t'emmerder à viser les mecs quoi. Pas dans la logique. Mais dans les faits c'est pas trop ça. Bon. Hein? Ah bon. Il y a une boîte d'échange. Ah bon. D'accord. Une boîte d'échange. Parce qu'il est problématique ce PUBG, c'est que trouver une arme. Quand tu tombes face à un mec qui a une mitraillette et toi t'as pas d'arme parce que t'arrives pas à en trouver une. Moi je suis une version du clic qui tire plus vite que lui et qui tire plus vite que son ombre et qui meurt plus vite que son ombre. Ah, moi je suis un Luclic moi. C'est ça que leur championship là. Pourquoi qu'ils font pas faire appel à moi? Pas de problème. Hein. Alors là j'arrive, je dégomme tout le monde, terminé. Hein. Ah y'a pas de problème. J'ai les gommes tous en parrain, y'a pas de problème. Voilà, les mecs. Les mecs ils vont rien avoir venir. Moi je suis là. Je suis à discrétion. Je suis à discrétion même. On m'entend pas arriver. Ah non mais moi je suis aussi discret que je sais pas qui. Ah la discrétion moi c'est. Ça me connaît hein. Ah moi la discrétion alors là. Personne ne me voit venir, personne ne me voit arriver. Je te fais des kills à long. Hein. Oula. Tiens, par exemple de. Oh putain de bordel de crotte de. Voilà. Une preuve de. Voilà. Une preuve encore une fois de plus. Je suis un sniper. Oh putain. Je suis un sniper. Voilà. Ah mais là, si j'avais eu la vis automatique là. Terminé. Hop. Vis automatique deux fois, trois fois, terminé. Mais le mec est mort. Attends. J'ai pris combien de points? 140. Waouh, c'est énorme. 140 sur 10 000. Waouh. C'est énorme quoi. C'est. Pouf, c'est énorme. Oh putain. Ah, là on voit un peu mieux encore. Il y a encore. 140 sur 10 000. Mal barré. Hein. Et mal barré. Et il y a combien de niveaux? Mal barré. Hein. Y'a combien de niveaux là que je regarde? Ah ouais bah déjà si j'arrive au niveau 2 déjà ce sera déjà.
Eh, bon, on est mal barré, hein. Mal barré. C'est... Ah, mais c'est du sport, hein. C'est du sport. C'est survivre, c'est du sport, hein. Je peux vous dire que... Je crois que je dois être le seul Français qui continue à jouer à PUBG qui meurt aussi vite. Et qui vise comme un pied. Je crois que je dois être le seul. Je crois qu'au niveau de la nullité, je crois que là je suis. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils ont pas fait appel à moi à la Championship. Je sais pas quoi. Mais moi je vais dans l'article Championship là, j'ai les comme tous, hein. Ah bah là. On me donne une mitraillette, t'as mené, hein. Voilà. Puis là, je suis chicken, je sais pas quoi, hein. Voilà, chicken, là. Et chicken, il est pour moi. Et chicken, il est pour moi. Je te les prends, je te les retourne, et t'as mené, hein. Avec moi, c'est du rapide, hein. C'est du rapide. À peine tu m'entends marcher que t'es déjà mort. Ah putain. Ah la vache. Quand tu m'entends marcher, t'es mort déjà. Oh putain. Bon, hein, on va essayer d'être sérieux un petit peu. Ah, allez, restons sérieux un petit peu, hein, quand même. Pas non plus. J'en pleure tellement que je suis con, ouais. J'en pleure tellement que je suis con. Hey. On y croit là. Là, je vais faire 4 kills là. Au moins 4. Hein. Au moins. Hey. Ah, mais là, si je fais pas 4 kills là, je comprends pas. Hein. Déjà que j'aurais dû en faire deux là, mais enfin pas deux dans la même partie, mais au moins un. Je sais pas si c'est passé. Une fois, ce que j'ai eu, c'est un mec de mon main qui visait aussi mal que moi. Ce qui fait qu'on se tirait dessus. Il me tirait dessus, je lui tirais dessus, mais le problème c'est que les balles ils passaient à côté de nous, mais ils nous touchaient pas. Si bien qu'à un moment donné, je me suis dit, attends, il y a un problème. Attends, le mec, il est aussi nul que moi, quoi. Alors, on va en profiter. À un moment donné, je me suis dit, attends, mec, t'es aussi nul que moi, mais attends. Je me suis concentré, j'ai pas bougé, à un moment donné, je bougeais plus, j'ai dit, attends, mon petit gars. Tu vas voir, toi. Et puis, quand j'ai réussi à prendre le dessus, j'ai dit, attends, toi. Chut. Alors, tu vas comprendre la vie. J'ai fait... Je l'ai dégommé. Alors, changement de mode de tir. En plus, comment... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec du rafale, en plus. Ah, automatique. Ça, c'est mieux, automatique. Enfin, tu me diras, ça veut pas dire pour autant que je vais mieux réussir, hein, mais bon. Oh, je suis à... Avant, j'aimais bien, il y avait une carte qui était plus petite que ça. C'était très bien, c'est une carte qui était petite. Les parties se faisaient assez vite parce que bon, c'était justement c'était petit. Et comme ça, j'avais réussi à faire des bonnes parties. C'était court, très court. C'était petit. Donc tu finissais par tomber sur un mec parce que la carte était tellement petite que tu tombais forcément devant un mec. Et là, depuis la mise à jour qu'ils ont fait, je sais plus quand, là, ils l'ont enlevé. Mais ça, c'était bien pratique pour moi, ça. Ça, c'était nickel, ça. Tu voyais,
C'était une des parties qui se faisait assez vite. Mais là, le problème, c'est que pour être niveau 2, faut avoir 10 000 XP, mais 10 000 XP, enfin, je suis pas prêt d'y arriver, quoi. Hein. Parce que si par partie que j'arrive à faire, je gagne que 10 points, je gagne que 10 XP, waouh! 10 XP, il faut compter combien de parties pour arriver à 10 000? Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Ah. Mais bon, je pense qu'après, je vais aller sur Ghost Recon, hein, parce que je vais aller sur Ghost Recon, je vais dégommer des mecs, je vais faire des missions secondaires, etc. Parce que c'est... Parce que là, c'est... Là... Parce que là, c'est une plaisanterie, hein. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. En plus, j'ai l'impression que j'avance même pas dans la zone où il faut aller, en plus. J'ai l'impression que... Mais c'est une vaste plaisanterie. C'est une vaste plaisanterie. Ah. Comme mon nombre de spectateurs qui est une vaste plaisanterie. je préfère en rire, tiens. Je préfère en rire. Je préfère en rire. Quand je vois certains autres qui jouent au jeu qui ont 4 spectateurs, même des fois plus, puis moi je m'en trouve à zéro. Voilà. Et je dirais que ça, j'irai pas plus loin. Je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là, je crois. Tiens, je pense. Mais bon. Il y a certaines aberrations que je vois sur le mixeur que je préfère. Je préfère me dire que. Je préfère me dire que je suis en plein rêve, que c'est pas vrai. Je préfère me dire ça parce que. Malheureusement, c'est pas un rêve, hein, c'est. Malheureusement. Mais bon. Quand tu vois des mecs qui jouent à un jeu, bon bah comme moi des fois je joue, hein, que je suis à zéro, quand t'en vois un qui en a 30, 40, 50 même, et que tu te dis mais attends qu'est-ce que lui a de plus que moi quoi. Alors certains vont me répondre ah bah oui mais il joue mieux que toi, il a une meilleure connexion que toi, etc. etc. Ah bon? Ah bon? Une fois, il y en a qui m'a essayé, une fois, il m'a dit, ouais, mais c'est parce que c'est parce que ta connexion, elle doit pas être super, c'est parce que ton gameplay, tu dois pas bien jouer, etc., etc. Ah bon. Si ils disent. Bah, tu finis, en fait, à cause de ces mecs-là, tu finis par te remettre en question, tu dis, mais attends, qu'est-ce que eux font que moi je sais pas, quoi. Tu te poses la question, mais tu t'as pas la réponse parce que t'as aucune réponse à donner parce que bah parce que t'as aucune réponse à donner parce que bah parce qu'il n'y a pas de réponse à donner. Et bah je sais pas, tu restes normal on va dire entre guillemets, puis voilà quoi, t'as pas mais tu comprends pas, mais tu es comme ça qui passe. Enfin, pour ma part, moi, ça me dépasse, hein, mais bon, je sais pas. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a sûrement quelque chose que je fais pas, je sais pas. Il y a sûrement un truc que je fais pas, je sais pas. Au début, moi, on me disait, ouais, tu vas voir quand t'auras plus de calme, t'auras plus de monde, etc.
Sauf que dans les faits, cam ou pas cam, voilà quoi. Donc c'est sûr que s'il faut montrer sa tronche, tout près pour que les gens te regardent, pour que les gens voient tous les défauts que t'as sur la tête, c'est sûr que s'il faut jouer comme ça, moi c'est négatif, hein. C'est négatif. Ouais, non, moi j'ai jamais. Moi, s'il y a un truc que je supporte pas, c'est ça. Donc, ce que je supporte pas, c'est les gens qui te jugent selon le physique, selon comment que t'es, selon le bouton que t'as sur le nez. Ça, c'est un truc que je supporte pas. C'est un truc que je supporte pas. Et ce mixeur, on se fait juger. En fait, ce mixeur, ceux qui diffusent comme ça, ils se rendent pas compte, hein, mais. En fait, leur jeu, ils en ont rien tiré de leur jeu. Ils en ont rien carré de leur jeu. Ce qu'ils attendent, c'est de voir ta tronche de près pour voir tous les défauts que t'as. Et bah, une fois qu'ils les ont vus, bah. Ah, quoi. Bah, après, ils se déchaînent, et puis après. Après, ils se déchaînent sur toi, et puis après, bah. Toi, t'as pas. Toi, malheureusement, t'as pas grand choix, quoi. T'as pas grand choix que de t'en prendre plein la tronche, et voilà. T'as pas grand choix. T'as pas grand choix que de t'en prendre plein la tronche. C'est pour ça que moi, j'ai voulu essayer de faire, de montrer ma tronche, comme j'en vois certains qui le font sur un mixeur, mais j'ai essayé, j'ai même acheté une cam qui était soi-disant fait pour ça, mais je sais pas. Je pense que je suis pas dans une pièce, je pense que je suis pas assez près de ma télé, et puis de toute façon, il est hors de question que je m'approche plus de ma télé. Donc c'est pour ça que je préfère diffuser en cam, quoi. Ça, de toute façon, s'ils veulent voir ma tronche, hein, ils ont qu'à regarder les VOD où je mettais encore ma caméra, et puis ils la verront, ma tronche. Ils la verront. Ils la verront. Mais non, c'est. S'il faut diffuser comme ça pour avoir aspirateur, bah non, moi je suis pas prêt à le faire. Je suis pas prêt à être jugé par des mecs qui. Je suis pas prêt à être jugé par des mecs qui se permettent de me juger selon mon physique, et que voilà, et qu'il y a que ceux qui les intéressent. Moi, non, ce genre de mecs là, moi ça me non. Ça, j'apprécie pas ça, moi. Non, on est comme on est, non, je supporte pas ça, moi. Je supporte pas ça. Mais s'il faut accepter de se faire malmener par ces mecs-là, bah moi je non. Moi je dis non. Voilà. Est-ce que la diffusion, ça doit être un plaisir et pas un endroit où tu te fais juger? C'est peut-être pour ça que j'ai plus grand monde qui me regarde ces mixeurs. Parce que moi je marche pas comme eux, quoi. Moi je suis pas là pour me foutre la gueule de quelqu'un, je suis pas là pour ça, moi. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour faire mes jeux, pour les finir et tout ça, etc. Je suis pas là pour dire lui est moche, il est bien, lui si, ça. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour ça. Comme d'ailleurs je l'ai mis sur Twitch, que j'ai pas pu le mettre sur Mixer parce que ce mixeur, voilà quoi, on est assez limité, on est même très très limité, et que j'ai mis ce mix sur Twitch, que j'ai dit de pas me saquer parce que je suis peut-être pas mis sur France ou mis sur Univers, mais ceux qui me regardent le sont, mais ceux qui me regardent, enfin si j'en ai qui me regardent,
ceux qui me regardent le sont pas, ils sont pas non plus quoi, ils sont pas non plus. Donc c'est facile d'émettre un jugement, mais quand soi-même on est, quand soi-même on n'est pas, on n'est pas mis sur l'univers, ah quoi. Quand tu juges quelqu'un, c'est que quand tu, quand tu, quand t'es dans le, quand t'es dans l'optique de juger quelqu'un, c'est que t'es, c'est que toi t'es imparfait. Et t'es l'homme parfait, t'es parfait, t'es pas, mais bon, à ce que sache, on n'est pas parfait, hein. Personne n'est parfait d'ailleurs. Donc, quand t'émets un jugement, c'est que quand t'émets un jugement, du moins, c'est que par définition, tu te prétends parfait. Alors que, moi, je suis pas parfait, personne n'est, quoi. Personne n'est. Donc, partons de ce principe-là. Moi, je suis pas prêt à, je suis pas prêt à aller sur les plateformes des autres, sur les streams des autres, en me foutant de leur tronche, parce qu'ils ont pas, et merde, parce qu'ils ont pas le physique de leur plexiteur. Moi, je suis pas pour ça. Moi, je suis, voilà. S'ils veulent jouer à ce petit jeu-là, bah, s'ils veulent jouer à ce petit jeu-là, bah, ils y joueront seuls. Ils y joueront seuls. Parce que moi, il est hors de question que je joue à ce petit jeu. Il est hors de question. Il est hors de question. Alors, combien j'ai-t-il gagné de points? Wow! 200 points! Ouais! Wow! C'est énorme, quoi! J'ai gagné 200 points! Ouais! J'ai gagné 50 points! Ouais! Oh bah putain, j'ai... Hey, 50 points, j'ai gagné. Oh bah c'est énorme, quoi. Énorme. Attends. Alors attends. Que je calcule dans ma petite tête. Ça fait... Attends. Que je calcule dans ma petite tête. J'ai besoin de 10 000 pour être niveau 2. Sachant que dans les parties, je reste jamais bien longtemps vivant. Si c'est 50 points par 50 points. Attends. Une merde. Attends. On va faire un calcul simple. Enfin, si. Mais merde. Alors, attends. On va faire un petit calcul simple. Tellement simple que je prends mon téléphone avec la calculette. C'est tellement simple. Attends. Alors. Il y a une calculette. Il y a. Alors, 10 000. Divisé par 50. Oh bah purée. Alors, si mes calculs sont exacts, il va falloir que je fasse 200 parties pour être niveau 2. Mal barré, hein. Bon, on est mal parti, hein. Oh putain, on est mal parti. On est vraiment mal parti, hein. On est mal parti. Parce que s'il faut que je fasse 200 parties pour être niveau 2, bah putain. Et encore, attends, parce que, et encore, attendez, parce que 50 points, parce que je suis arrivé, je crois que j'ai, parce que je crois que t'as 25 points, je crois, quand t'arrives au niveau, il me semble que t'as 25 points, il me semble quand t'arrives au niveau top 50. Il me semble que là, t'as des points supplémentaires, il me semble. Mais quand t'arrives à tuer un mec, une fois j'avais réussi à tuer un mec, je crois que j'étais arrivé jusqu'au top 10, top 5, un truc comme ça, enfin un truc qui m'arrive une fois tous les siècles. Et même en faisant une bonne partie, j'avais gagné, j'avais gagné des... j'avais même, j'avais l'impression d'avoir gagné rien du tout en points, quoi. J'ai dit, bah non, putain, t'arrives à tuer un mec, t'es top 10,
et tu gagnes que 10 points, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, quoi? T'arrives à tuer un mec, et tu te retrouves avec. T'arrives à tuer un mec, t'arrives à tenir jusqu'au top 10 et. Fais attends, c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque? PUBG Global Championship. Ah ouais, non, mais moi, s'ils veulent de moi dans le PUBG machin chose, là, pas de problème. Hein. Moi, ils m'appellent, je prends l'avion, je vais abandonner un mec et y a pas de problème. Hein. Moi, ils me payent le billet d'avion, évidemment, parce que j'ai pas les moyens de me payer le billet d'avion. Ils me payent le billet d'avion et puis ils comptent sur moi. Hein. Y a pas de problème. Hein. Moi, là, je prends le premier avion et hop là. Et. C'est les Américains et hop. Hein. Ouais, moi, y a pas de. Pas de problème. Hein. Bon, les blagues à part, hein. Blague à part. En fait, aujourd'hui, je voulais jouer à Corsicon parce que j'avais dit hier à Captain Albator que je ferais du Corsicon et que peut-être on jouera ensemble, lui et moi. Et tout compte fait, je crois que tout à l'heure, je vais faire du Battlefield 5 parce que ça fait un. Ça fait depuis, je compte même plus les mois où j'ai pas joué. Ça fait quand même depuis un bon moment que j'ai pas joué à Battlefield 5, je crois. BF5, non, je crois que c'est 5. Puis comme on est le 11 novembre, hein, c'est férié, donc c'est férié. Donc bon, ça va pas m'empêcher de faire un petit tour en terre. Un petit tour. Bon, je vais pas aller loin parce qu'avec la flotte. Enfin, s'il y a plus, je vais même pas sauter parce que j'ai pas envie de me. J'ai pas envie de mouiller, mais. J'ai pas du tout envie de me mouiller les godasses. Donc s'il pleut pas j'y vais, s'il pleut j'y vais pas. Puis j'attends un petit peu pour diffuser. J'ai peut-être même fait un peu de Fortnite sur ma Switch. Un petit peu. C'est quoi ça? Bon, déjà si j'ai pas de balles, ça va pas le faire déjà. Déjà si j'ai pas de munitions, c'est déjà si j'ai pas d'armes, ça va pas le faire déjà. Franchement, il me tarde de le voir sur il me tarde de le voir sur Switch. Hein. On voit un peu comment ça pourrait être sur la Switch. Parce que quand j'ai fait des parties comme ça, que j'arrive pas à trouver d'armes, franchement, je fais pas beaucoup de parties sur ce jeu-là parce que quand j'ai même pas une arme entre les mains, que je tombe face à un mec qui lui a une arme, bah. Hey, mais j'ai pas d'armes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, j'entends des mecs qui ont des armes avec des espèces de mitraillettes, je sais pas quoi, et puis moi j'ai rien. Comment tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec rien? J'ai pas d'armes, j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a même pas un petit pistolet, hein? Thank you.
Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien voir sur le mixeur un jour, c'est un mec qui jouait à Uno. Bon, c'est vrai que moi je l'ai enlevé parce que Uno, ouais, je l'ai enlevé. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est un mec jouer à Uno ou à un jeu de cartes. Et de voir s'il aurait autant de spectateurs que s'il jouait à Fortnite, PUBG ou un autre jeu. Parce que si un jour Baguera le Pirate il diffuse sur Uno et qu'il a autant de spectateurs qu'il a s'il jouait à n'importe quel jeu d'ailleurs, si ce mec-là a autant de spectateurs en jouant à Uno, bah là je me dirais, bah là, mec, soit c'est un magicien, ou je sais pas. Parce que avoir autant de monde que lui là sur Uno, c'est impossible. C'est impossible parce que Uno, c'est impossible parce que Uno, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ce jeu. Il y a très peu. C'est un jeu de cartes qui fonctionnait peut-être à l'époque de la 360, mais là, ouais, maintenant c'est fini. Uno, c'est terminé. Moi, quand j'ai voulu le réinstaller, j'ai. Ah, quoi, c'est. En plus, ce jeu, ça fait depuis un moment qu'ils font plus de mise à jour, plus de correctifs, plus rien. Donc, le jeu, il est un peu. Ils l'ont un peu abandonné, quoi. Ils l'ont un peu abandonné. Ils l'ont même beaucoup, beaucoup abandonné. Ils l'ont même beaucoup, beaucoup abandonné. Et avoir 50 spectateurs qui te regardent jouer avec nous. Non, c'est. Non. Si un jour quelqu'un qui me dit, si un jour quelqu'un qui me dit, ah, mais moi j'ai réussi à avoir le temps. Non. C'est des conneries, ça. Non. Je sais que moi, sur la 360, je jouais beaucoup à Uno. Sur la 360, à l'époque, je jouais beaucoup, beaucoup à Uno avec des Français le soir. Et non. Non. Non, ça, je peux garantir que. Non. Ah, non. Avoir autant de monde qui te regarde jouer Uno. Faut pas trop raconter qu'on est à ce niveau-là parce que. Oh putain, j'en ai tué un! Oh vain Dieu, j'en ai tué un! Oh purée, j'en ai tué un! Waouh! Ah, par contre, est-ce qu'il a une arme? Ah, bah super! Hop là! Oh purée, j'en ai tué un! Oula, attends, planqué parce que. Attends, mais comment je. Non, parce qu'à un moment donné, il faut pas trop raconter l'histoire, quoi. Il faut pas trop raconter l'histoire. Non, non, moi je peux le garantir que les armes. Non, les. Non, non, ça je peux dire que. Viens, mon amour, reviens. Viens, n'aie pas peur. Mais viens, n'aie pas peur. Oh. Viens, n'aie pas peur. Je te ferai pas de mal. Oh! Oh putain de saloperie! Saleté! Putain de saleté! Là, j'aurais pu en tuer deux. J'aurais pu. J'aurais pu. Bon, alors combien de points j'ai compté ce que j'ai eu? Attention les yeux, attention les oreilles, ça va faire mal. Attention. Ouais, j'ai eu combien de points? Attends, j'ai eu combien de points? J'ai eu. Ouais! 360 points, youpi! Attends, je suis pas arrêté combien? J'avais 250? Bon, allez, hein? C'est définitivement pas mon jeu favori. Hein. Tac. C'est définitivement pas du tout mon jeu favori. Bon, voilà. Bah, moi, je vais vous laisser un petit peu. Je vais voir si c'est longtemps qu'il fait. Ça, hein, verra bien. Allez, hop.